Bon, les gens, bon, je sais que j'ai pas ça. Normalement, j'ai dit que je sortais ça les vendredis. Mais là, par souci de. J'avais quelque chose à faire vendredi. Je vais vous en dire un peu plus. Sans trop en dire, parce que j'ai pas trop le droit. Parce que, comme vous vous en doutez, en fait, j'ai été pris pour la bêta de Quake Champions. Voilà. Donc, j'ai rien de droit d'en dire, par contre. Absolument rien. Je sais, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura un nouveau test qui aura lieu le week-end prochain. Putain. Oh merde. Non, c'est raté, j'ai raté. Il y aura un nouveau test qui aura lieu, donc l'heure où je tourne ça, donc là on sera normalement le. On sera le 10. Et ben le 8. Le 13, je crois que ça recommence en fait, et ils enverront des codes supplémentaires. Donc à ce moment-là, vous pourrez peut-être pré-30 si vous avez essayé de participer à la bêta. Mais c'est pas vrai, putain. J'ai du mal là, dans les. Ici, j'ai vraiment du mal. Putain. Attends, je suis pas chaud. Parce que faut savoir que, en fait, hier et aujourd'hui, j'ai pas joué à la bê que ce soit à la bêta ou à Quake Live. Mais bon. J'ai rien droit d'en dire par rapport à la bêta. Bon, tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, oui, j'ai été pris par rapport à la bêta. Donc, c'est pour ça que j'ai rien sorti et que j'ai pas fait de live du week-end. Mais oui, j'ai été pris. Et c'est très bien, voilà. Oh putain, j'y étais presque. Merde. Oh putain. Ah non, c'est dégueulasse. Le solo est dur à faire. Les J arrivent normalement. Voilà. Ouf. On va faire un petit match avec un bot. Crabground. Voilà. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de live et c'est pour ça que vendredi il n'y a pas eu l'entraînement, mais je compte quand même continuer parce que je me rends compte à quel point qu'en fait même sur la bêta je suis tombé sur des joueurs pro encore plus forts. Enfin je suis tombé sur beaucoup de joueurs professionnels ou des gens qui ont en fait torché le jeu durant les 10 dernières années. Donc en fait ça fait ben que c'était très violent ce que j'ai pris dans la gueule à certains moments. Par exemple non je peux pas en dire parce que sinon je vais dire les modes de jeu, je sais pas si j'ai le droit ou quoi que ce soit. Bon, bref. J'ai déjà pris très très cher quoi. Donc Prepare to fight. Longtemps. J'arrive jamais à passer ce putain de saut correctement. Alors pourquoi je joue cette map? Parce qu'elle est dans le Quake Champions, donc faut que je m'y habitue, voilà. Ah bien, j'ai raté le saut. Il est où? Moi je prends les items hein.
Sale petit fils de pute. Putain, bâtard. Putain, mais j'y arriverai jamais, hein, sérieux. Voilà, je panique, c'est mon gros défaut sur ce putain de jeu. Putain, mais j'ai pas d'armure. On va pas perdre alors qu'on vient. Ok, il a dû la prendre. Ouais, il a dû le prendre. Oula. Non. Tiens, attends. C'est un peu dur de parler sur ce jeu et de jouer en même temps. J'espère que vous vous en rendez compte. Je parlerai après. Je fais vraiment de la merde en déplacement un peu. Il a pris l'armure. Merde. Leave taken. Merde, il était derrière, putain. C'est quand même pitoyable ce que je fais. Putain. Chaque fois j'arrive trop tard pour le raid.
Putain, mais je passe toujours au-dessus des items. Ce qui est bien dans le nouveau jeu, c'est que tu passes pas au-dessus des items, tu les prends. Bon, ça va, je pense que j'ai le droit de dire ça quand même. J'aurais dû changer. Meurs. Pourquoi tu ne meurs pas? Bien sûr qu'il a plus de vie. Putain, oh, je fais de la merde. Putain, il m'a mis d'oreille. Calme-toi, wesh. Pas le malin. Voilà, c'est ce problème, voilà, ça. Putain de fils de... Putain. Voilà, c'est pour ça que le bot est abusé sur ce putain de jeu. En vrai, un rail comme ça, tu le mets pas. Ou alors, tu le mets, mais c'était vraiment... T'as vraiment de la chance. Je me dégage, je me dégage. Un peu moins de shot, en fait. Oh. Dégage. J'ai mis où la touche pour m'accroupir? J'ai pas mis de touche pour m'accroupir, sérieux? Ouais, on va pas rester comme une tapette ici. Ok. Bon. Du coup, je vais arrêter. Bon, j'ai proposé mon petit gameplay que je voulais proposer. Ce que je voulais dire surtout, c'est que il va y avoir beaucoup de Quake sur la chaîne. De toute façon, j'avais déjà dit qu'il y aurait beaucoup d'FPS sur la chaîne, mais là, il va y avoir beaucoup de Quake parce que il y aura du Quake Live en attendant que Quake Champions devienne streamable. Parce qu'en fait, bah, s'il n'y a rien, c'est que forcément, c'est pas streamable. Et j'ai même, en fait, si vous voulez, j'ai même pas le droit de dire quoi que ce soit par rapport à la bêta. Déjà j'ai dit que j'ai été choisi. Bon, je pense pas qu'on me tuera pour ça. Parce que j'ai pas divulgué plus d'infos que ça, que ce soit en termes de gameplay ou de ce qu'il y a dans la bêta ou quoi que ce soit. Ou de tous les problèmes qu'il y a eu. Bon, je pense que les problèmes se sont entendus sur les forums ou quoi que ce soit. Oui, il y a eu des problèmes, mais bon, j'ai déjà vu pire. J'ai déjà vu vraiment pire comme problème. Donc du coup voilà. Du coup, bon, bah, vu que ça c'était pour vendredi dernier, il y en aura un autre vendredi là, où je ferai sûrement, je pense, sur Quake Live encore, parce qu'il y aura. Restez connectés, parce que ce week-end il y aura une nouvelle bêta, des codes vont être relancés, donc du coup, vous pouvez très bien être pris, donc checkez bien vos mails, vos spams, etc., etc., parce que vous pourrez. Enfin, c'est juste que je crois que ça va être les mêmes dates, donc de jeudi. Si j'ai pas de conneries, c'est de jeudi à dimanche. Donc voilà. Et du coup, bon, bah, moi je vais. Sur ce, je vais. Me reposer. Faire du Quake Live durant peut-être un peu plus dans la semaine afin de me préparer mon cul. Mais bon, c'est vrai que ce qui me fait chier en fait, c'est que l'ordi, j'ai l'impression qu'il suit pas Quake Champions en fait.
J'avais des micro-freeze, alors du coup je me demande, est-ce que c'est eux avec leur optimisation qui est pas terminée parce que c'est qu'une bêta, ou est-ce que c'est moi qui dois vraiment changer de matos, je ne sais pas. Donc du coup pour l'instant, comme j'ai dit, j'ai pas beaucoup joué à la bêta. J'ai joué quand même pas mal jeudi, vendredi, mais samedi, dimanche, je n'étais pas dessus quoi. Voilà. Bref, je vous dis à la prochaine pour plus de Quake. Et puis je ferai sûrement aussi Quake 1, Quake 2 en entier, tiens. Ouais, pourquoi pas.